Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, normalement, on fait du Samantha Swift, si tout va bien. En théorie, Axor m'a peut-être réussi à trouver le numéro 2. Bon, il sera en anglais par contre, mais bon, au pire, je vous ferai la traduction. Comme d'hab, si ça va pas trop vite, hein, si le texte défile pas tout seul. Et en tout cas, le 3, normalement, ça je l'ai et il marche, j'avais vérifié. C'est le 2, on verra bien si on a l'occasion de le faire ou pas. En attendant, alors, hop, zou, zou, coucou Sinel, de la part de. Ah, et coucou de la part de Julie et de toi, très bien. Et bah, coucou vous deux, vous avez même pas trop la gueule de bois. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on reprend le jeu où on s'était arrêté ce matin, tôt. Très tôt. On devait piller la reine, mais légalement, hein, elle est d'accord. On a le droit de rentrer chez elle et tout casser. Je peux ramasser ce truc moche, non. Alors, il me faut une couronne et un trône, mais ils sont cachés. Très bien. Il me faut un crayon. Un crayon. Hop là. Ouh. Je peux faire des dessins. Je peux faire des moustaches sur les dessins. Je peux dessiner des oreilles sur les dessins. Il me faut une échelle. Bah ça va, clique sur l'échelle, laisse-moi un peu de marge. Une bouteille, une fourchette, une bouteille et une fourchette. Tu veux un violon? Oui, elle veut un violon, très bien. Tu veux un carrosse? Non. Alors la fourchette. Es-tu une fourchette? Non, tu es un sceptre. Là, je peux mettre quelque chose ici. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Ah, ça doit être pour plus tard, parce que ça fait pas de bruit. Donc ça doit être pour plus tard. La fourchette, elle est là. Il me faut un oiseau. Une crua. Un coussin. Pour poser mon popotin. C'est pas un coussin. C'est même pas un truc. Bah moi j'aurais bien vu ça en coussin, mais apparemment c'est pas un coussin le petit truc derrière. Mais c'est plus. Ah! Le coussin était juste là. Non mais toujours, c'est en face de moi, je le vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Je peux mettre une échelle là peut-être, si le joueur arrête de planter. Allez! Eh oui! Oh! Les deux étaient cachés au même endroit. Un outil pour deux objets et un tableau rose. Oh, je peux écrire dessus! Oh là là! Ah mais carrément, je pique les tableaux de chez la reine! Allez! Très intéressant, on dirait que je me trouve au bon endroit. Je peux cliquer sur ça. Oui! Très bien. Je vous dévalise, hein, vous m'en voulez pas? Les symboles inscrits sur le mur sont incompréhensibles. Hein. Je vais appeler Adam pour qu'il m'aide. Salut Sancho. J'ai une photo de ces symboles, Sam. Ils ne correspondent à aucune langue que je connais. Ça doit être une sorte de code. Il y a forcément une clé pour déchiffrer ce code. Il faut demander à Nicolas Cage. Je suis sûr, il sait. Un presse-papier. Je peux faire des câlins au toutou. Le toutou! Tu veux un globe, le toutou? Non, il faudra. Allez, lâche-moi ça, là. Il faudra certainement le faire bouger, j'imagine. Alors, une lime à ongles. Putain, mais c'est tout petit. Comment tu veux que je trouve une lime à ongles? Sauf si c'est une lime à ongles géante, je ne sais pas. C'est une médaille, ça? Ah bah c'était ça la lime à ongles, je crois. Oui, il me faut une clé papillon. Armoirie et un œuf. Ma foi, pourquoi pas? Tu fais ce que tu veux. Tu veux une plume? Ah mais oui! Ah non, ah si, c'est une plume. Alors, un œuf. Un œuf. Et un éventail. Alors, est-ce que tu veux une lime à ongles, toutou? Est-ce que tu veux une clé? Est-ce que non, il veut pas le globe, c'est vrai. Mais rendez-moi les outils. Ah d'accord, tu casses la bouteille. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Ensuite, danseuse et diamant. Alors, ah là, il y a quelque chose. Donc ça doit être la clé papillon.
Ah bon? Ça lit ma ongle. Oh là là. Et alors, la clé papillon. Donne-la-moi. Je la mets. Allez, le jeu. Je la mets. Sur le chien. Je la mets nulle part. Je vais me rapprocher de ça. Non, là, il n'y a rien. Ah, putain, c'était là. Tu essaies de faire une petite pause sur Stardew. Ah. Tu en es à 43 heures de jeu en 3 jours. Bah, après, je me rends pas compte si c'est beaucoup, mais oui, bah oui, c'est bien que le jeu plaise. Il me faut un marteau. J'ai ma petite idée sur la façon de décrypter le code. Ah ouais! Tu vas décrypter. Je peux casser le. Hop là. Ah bah super! Vachement bien décrypté, hein. Alors, follow King Arthur. Ce qui signifie suivre le roi Arthur. Ce qui est traduit pas King, hein, visiblement. Bon. Je vais emprunter le passage que gardait la statue du roi Arthur et j'ai pas eu le temps de lire le reste parce qu'elle a décidé de passer le dialogue toute seule. Super. Notez qu'on a cassé la tablette mais qu'elle est toujours là. Alors, il me faut des anges. Tu veux des diamants? Non. J'ai trouvé un ange. Ah ouais, carrément, j'arrache le vitrail. Putain, hé, je suis tellement sympa. Invitez-moi dans vos palais, dans vos endroits sympas. Je piquerai vos vitraux et vos pierres précieuses. Il me faut le diabulu. Where is le diabulu? Des trucs. Une lance et un tissu bleu. Vas-y, file-moi ta lance. Parce que comme je joue en fenêtré aussi, des fois c'est peut-être possible que je rate des dessins si c'est trop bizarre. Tu veux une croix? Non. Ah, mais le diable comme ça! Pas le diable! Moi, je cherchais un petit bonhomme! Pas le diable de transport. Moi, je cherchais quelqu'un de sympa. On en est où avec Swift? Eh bah, je viens de recommencer le stream. Hein, uptime, 19 minutes, donc on n'en est pas loin. La colombe qui, eh bah, elle doit être un peu sèche. Hein. Et coupe vert. Vas-y. Allez, dégage. Dégage la statue. Allez, apparemment elle veut réparer le vitrail. Super, c'est parti. Oui, si. Il faut que je... Ah, faut que je reste cliqué dessus. Pardon. Bon, ça va. Pour une fois, elle répare des trucs. Mais j'imagine qu'elle va quand même piquer d'autres trucs. Donc, on peut dire que c'est donnant-donnant. Alors, les pièces courbes comme ça, elles vont là. Ok. Il me faut un petit trou comme ça. Et le petit trou comme ça, il est là. Voilà. On dirait des trucs de Babybel. Oh, elle fout du Babybel sur le vitrail. Alors là, vraiment, j'ai un gros trou. Là. Et ben voilà! Oh là là, la lumière qui descend et qui fait ouvrir un passage, mais le jeu il lag donc on le voit en décalé. C'est comme dans Pajama Buttons! Je savais que cette aventure finirait par me conduire dans un endroit froid et humide où personne n'a mis les pieds depuis des siècles! Vous croyez qu'il y a des drogueurs dedans?
Ah oui, bah tu joues à ton rythme, hein. Autant jouer tant que tu peux, hein. C'est le principal. Donc là, on pourra casser quelque chose. Le roi Arthur. Je sais pas si c'est le roi Arthur. Si, c'est le roi Arthur. Un bouclier lion. Un bouclier tout simple, hein, du coup. Là. Une truelle. Un petit éclair. Ouh. Alors, la truelle. Est-ce que je peux utiliser ça pour casser le mur? Paf! Oui! Des lunettes, un calepin, petit calepin, une torche, je crois que j'en ai... Ah oui, là. J'allais dire, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Notez que personne n'y est venu, mais il y a quand même des bottes en plastique, un casque et un seau, hein. D'ailleurs, elle veut encore un seau. Mais ça fait des siècles que personne n'est venu là, apparemment, mais il y a quand même une boîte en carton. Je crois qu'on nous ment. Et un journal. Je crois qu'on nous ment. Passe-partout! Oh! Insérer une blague sur Fort Boyard. Là là! Je vais suivre la porte que le roi Arthur gardait, mais j'ai le sentiment que le message codé avait une signification plus profonde. Les chevaliers de la table ronde ont toujours fait confiance au roi Arthur. Je dois en faire autant. Mais... Donc là, en fait, le petit jeu, c'est déplaît King Arthur. Tada! Et voilà! Le sceau est à Swift, ce que le couteau suisse est à MacGyver, indispensable. Coucou Brébasque. Abandonné depuis des siècles, les cartons et tout, c'est des souvenirs de Jacouille, la fripouille. Ça se passe comment? Bah oui, non mais c'est ce que je disais, on est d'accord. Y a personne qui est entré là, mais étrangement, on trouve des cartons, des petites bottes et tout et tout. Des lunettes qui nous permettent de voir dans le noir. Tada! Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Et le 6? D'accord. Ah oui, pardon, la clé. J'oubliais que j'avais encore la clé. Alors du coup, comme je sais plus si je l'ai dit, je vais le répéter, comme ça moi je serai sûre. Coucou Bérébasque et Geeks, voilà. Comme ça je suis sûre de ne pas avoir oublié. Alors, est-ce que tu veux un petit pois? Non. Étrangement, il veut pas d'un pois. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Hop, je te prends pas la... Ah, c'est pas cette couronne-là, pardon. C'est pas la bonne couronne. Ah bah non, en plus, oui, je suis bête, c'est en bleu. Oh là là, ça y est, j'ai pu jouer. Alors, il me faut une pierre, mais à quoi elle ressemble ta pierre? Oh putain, dépêche-toi. C'est pas une pierre, ça! Si, c'est une... C'est une pierre, ça. Genre. Ah oui, si, d'accord. C'est une pierre. Elle est bizarre, ta pierre, un peu, quand même. À moins que pierre ait un autre sens que je ne connais pas. Il me faut un autre plateau de balance. Là. Une dague. Une épée.
Oh, elle a pas assez de place. Est-ce que tu veux un bâton? Oh! Tout cassé. Allez, file ton épée. T'en as pas besoin, Arthur. Un fourreau. C'est quoi ça? Le fourreau. Alors ça, c'est juste une image. Là? Oui. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Ce n'est pas un chapeau. Je clique dessus quand même. Une pièce. Oui! Ah mais oui, le chapeau! Ah oui, d'accord, c'était chapeau de Merlin tout attaché, d'accord. Apparemment, j'ai déjà trouvé une cruche et une boule de cristal. Alors, est-ce que tu veux une épée? Alors, où est-ce que je peux utiliser quelque chose? Là. Et voilà. Et l'objet en plus, c'est un bandeau. C'est un bandeau, ça? Et ouais! Le chapeau de Mickey dans Fantasia. Mais oui! Résolvez l'énigme de la table ronde. Oui, dans 2 secondes. C'est comme si on disait que les cryptes dans Skyrim étaient abandonnées, mais que les torches et les bougies étaient allumées. Tellement improbable. Bah oui, hein? Pourquoi est-ce que ça reste allumé? Mais à la limite, les cryptes, ça peut être logique que ça soit allumé dans Skyrim, parce que les torches peuvent très bien brûler très longtemps. Et en plus, il y a souvent des bandits et des voleurs dans les cryptes de Skyrim, donc ça se tient, à la limite. Ou même, les drogueurs, des fois, ils ont leurs propres torches, donc c'est peut-être eux qui les allument. Donc là, honnêtement, ça justifie. Par contre, là, ici, d'après elle, personne n'était rentré depuis très longtemps, et il y a quand même des lunettes à vision thermique. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas chercher à réfléchir trop dans ces jeux-là, hein. C'est plus simple. Et salut Kat, et bonne année à toi aussi. Alors. Faut que je clique sur les lettres directement, j'imagine. Alors. Oui. Si le jeu arrête de planter. Voilà. Toujours agréable d'avoir des petits jeux qui ralentissent. King Arthur, au pire. Hop. Oh là là! Incroyable! Je réussis! Alors, j'imagine qu'il faut qu'il y ait tous les poids. Voilà, j'ai gagné. Ah, je peux pas. D'accord. Ah, mais non, mais c'était pas le 7 que je voulais prendre. C'était le 4. Coucou Fieril, tu passes un peu avant le dodo. Ah. Avec une meilleure wifi que la nuit dernière. Ah. Mais il n'existe pas ce genre de choses là-bas, mais enfin. La rose de la justice. Très bien, c'est bon. Hop, je regarde, j'ai. Hop, c'est bon. Continuez. Si la rose rouge représente l'art, je ne vois qu'un seul endroit où chercher, la France. La France. La rose rouge était l'un des symboles de Louis Croix V Bâton. Ah non, c'est dans l'autre sens. Louis Croix Bâton V. De Louis XIV. Dans ce cas, en route pour la France, au revoir, Adam. Musée du Louvre. Après la fermeture. Oh, c'est une voleuse! Paris, France. Louis XIV a vécu dans le Louvre pendant quelque temps. Il était surnommé le Roi Soleil. Et j'ai découvert un symbole de soleil renversé sur le bouclier. Oh.
Le roi devait avoir une salle secrète souterraine. Non mais c'est que des roses là pour le coup. Donc c'est pas parce que c'est une rose que c'est la fronce. C'est des roses partout. C'est parce que c'est la rose au rouge. Attention. C'est la couleur qui fait toute la différence. Et que sur le bouclier en or, il y a aussi un arc de triomphe et une tour Eiffel dessinée par des Grecs. Mais genre bien avant tout ça. Donc ils savaient qu'il allait avoir ça en France. Et ils ont aussi dessiné le pont en Angleterre. Mais on a dit hier que c'était parce qu'ils avaient eu des visions. C'est pour ça. Ça se tient. C'est logique. Ces objets sont de toute beauté. Malheureusement, je ne pourrais pas l'emporter avec moi, à l'exception, enfin les emporter, à l'exception de la rose de l'art, bien sûr. Happy New Year to you too, Yoshi. Alors, il me faut des pinces, des petites pinces, pinces. Un cutter. Une clé. Alors, où est-ce que je peux utiliser quelque chose? J'imagine là. Pas tout de suite. Là, non. Là. Est-ce que je peux pincer là? Je vais cutter le sac poubelle. J'adore fouiller dans les poubelles. Non. Perle. Ça compte. Revue. Diamant. Porte-monnaie. Même pas, elle va les rapporter. Encore un seau! Même pas, elle va les rapporter aux objets trouvés. Hein. Non, non, à moi. Finders, keepers. Non, 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 non. Livre et talon ticket. C'est de toute beauté. Et un tournevis, un éclair. Toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux casser? Bon, il va où ton objet là? Oui, bon, ta gueule! Oh, j'essaie de trouver où je dois utiliser ton outil nul. Là, ça y est. Tada! Il me faut un tournevis. Je suis restée discrète. Bien, entrons dans cette fameuse salle interdite au public. Oh! I'm not sure there were some in my town, so I would say there were none, so I don't know if they were beautiful or not, but this morning there was some thunder, so does that count as a fireworks? D'ailleurs, ouais, en parlant de ça, putain la vache, je me suis levée ce matin et il y a eu un éclair de fou! Oh! Il a fait un boucan, il est vraiment pas tombé loin de chez moi. Ça a fait un de ces bruits, c'était d'une violence. Et puis là, du coup, il s'arrête plus de souffler, c'est... Alors là, on pourra faire quelque chose. Il me faut un aspirateur. Oh là là! Ensuite... Il me faut... Du pain! Oh oui! C'est du pain? Non. Du pain? Allez, du pain! Where's my braid? French baguette, ronron. Putain, je trouve pas le pain. Je suis triste. Je trouve pas le pain! Ça doit être du fromage, ça, à tous les coups. Non mais sérieux? Ou alors c'est une planchette à pain peut-être qu'il faut chercher parce qu'en fait les noms il est peut-être inversé. Si vous voyez du pain, dites-le moi. Et écrivez pas le moi, hein. C'est pas la. Non. Bon, Non, bah non, c'est vraiment du pain. Ah bah il est juste là, putain, mais hey, toujours quand c'est en face de moi, je le vois pas. C'est incroyable, ça. Systématiquement, en face de moi, je ne vois rien. C'est violent. Et il me faut... Hop. Une clé. Ah oui, non, c'était violent. Là, là, là.
L'orage ce matin, ça a pas duré très très longtemps, mais c'est vraiment pas tombé loin. Apparemment ici, il y a eu un petit séisme 1 heure avant que tu te réveilles. Tu l'as tellement senti que t'as dormi une demi-heure après ton dernier réveil. Ouah, ça a dû bien te réveiller, hein. Là, Puis comme tu dis, apparemment, hein, j'imagine que tu l'as ressenti de manière très forte. Ça, j'imagine que peut-être dans ton rêve, t'as dû vaciller éventuellement, genre ouf. Oh là là. Tu veux un gâteau? Il faut un outil pour le gâteau. Bah je sais pas, prends tes mains et mange. Je devrais arrêter de cliquer au pif. Mais jamais! Je cliquerai au pif toute ma vie! On lui coupe la tête! Vous voyez, ça marche! Alors qu'est-ce qu'il manque? Un plumeau et un pinceau. Un plumeau et un pinceau. À quoi il ressemble le plumeau? D'accord, il est comme ça. Là j'ai trouvé le pinceau, si j'arrive à cliquer dessus, et le plumeau. Alors est-ce qu'il est en face de moi? Bon, j'ai pas l'impression. Quoi ça? C'est un bout d'aile. Ah il est là, c'était un arbre. Oh comme il est bien caché. Tu veux des gants pour fouiller dans le truc? Est-ce que je peux guillotiner le couteau? Est-ce que je peux guillotiner le gâteau? Oh putain mais oui mais tellement. Oh là là. Et le pied de biche. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Elle est où l'autre molette bleue? Ah, c'était par là. Là! Et une lumière noire, du coup. Paf! Encore? Ah bah oui, la carte. Pas loin de chez le glaude et le boulet. Y'a que pour faire péter. Je sais pas du tout de quoi tu parles. J'aime pas la soupe. Oui. Oui, mais... Enfin, oui. Oui, dans les Émilie, ils ont eu l'occasion de m'entendre râler sur la soupe. Qu'est-ce qu'il me faut au lieu de cliquer au pif? Peut-être des vases. Scarabée, un oiseau doré. Un éclair, tu veux un éclair? Alors, il me manque un ou une voile. Ah bah, ça doit être une voile pour le bateau. Je peux pas prendre celle de la pierre. Ah bah, elle est là. Hop. Mais, ah putain. Putain, mais il faut vraiment cliquer précisément. Hein. C'est le jeu, il te laisse pas te tromper. Hein. C'est genre, tu cliques là ou tu cliques nulle part. Je fais, ok. Paf, la pyramide, elle s'ouvre. Et le pot jaune. Non. Ça, j'imagine. Ah non, ah non. Ah bah non! Faut lui rendre son masque, suis-je bête? C'est une référence, ça? Ah. Je comprends pas alors. Je sais pas. Je comprends rien alors. Parce que déjà, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi le glaude et le bombé. Et si en plus, alors c'est de la soupe, moi je comprends rien. Ouf. Parler est compliqué. Alors, il me faut un zozio, un zozio, un zozio, s'il vous plaît. Mais non, mais ah! Un zozio, un œil, ça. Ensuite,
Voilà. Oui, tu veux pas bouger? Ah oui, ah non. Tu veux pas bouger tant que j'ai pas fait la poussière, d'accord. C'est bon? Wouah! La soupe au chou. Oh, mais alors j'ai dû voir ça une fois ou deux, mais j'ai pas retenu tous les trucs. Je peux pas tout retenir, hein. Je choisis mes conneries à retenir. C'est étrange de regrouper des tableaux d'époques différentes dans une même salle. Ça doit être un indice. Je peux pas les ramasser? Non. Je ne peux pas les ramasser. Et je ne peux pas encore utiliser ça là. Très bien. Est-ce que tu veux utiliser un parchemin? Oui. Alors maintenant je peux les bouger. Alors, ça va à peu près là. Là, ça va là. Voilà. Celui-ci, il va là. Cette énigme n'est pas tout à fait résolue. Je me demande si j'ai un outil qui pourrait aider. Bah oui, bah on se demande, hein. Oh là là! C'est la statue qu'il y avait dans la première salle. Je dois examiner tout ça. Et comme par hasard, boum! On revient ici. Alors j'ai bougé le bouclier, hein, si vous n'avez pas vraiment eu le temps de voir. Eh bah des bisous, Fieril, et bonne nuit. Repose-toi bien. Tous ces objets sont oubliés de tous depuis longtemps. Je pourrais peut-être rapporter quelques souvenirs pour mon musée. Oh, voleuse! Il me faut un maillet. Je clique au pif. Là, on peut utiliser un objet. Je peux utiliser ça. Non. Et une bouteille suspecte. J'ai trouvé le maillet. Je peux tout casser! Oui! J'ai trouvé Jeanne d'Arc. Un bout brisé. Hop. Oh putain, c'est ça. Ça marche. Paf! Ensuite, il me manque un dragon. Ah bah, hé. J'avais cliqué dessus tout à l'heure. J'avais pas dû cliquer sur le bon pixel de jaune. J'avais dû cliquer sur le pixel du tonneau. Pardon. Alors, ah oui. Alors, ça va là. Voilà. Paf. Incroyable. Et il me manque une boîte à bijoux. Là. Une boîte à bijoux. Une boîte à bijoux. Une boîte à bijoux. Il me faut le dieu soleil. Il faut certainement placer ce symbole quelque part. Là? Des soleils et des roses. Qui aurait cru que cette association fonctionnerait? Je m'excuse, mais je vais devoir les séparer. La rose est attendue dans mon musée. Non. La salle du trône, la rose doit te trouver ici. C'est un peu le bazar hein, dans la salle. Il me faut une matraque! Très bien, c'est vachement. Vachement déco, vachement accueillant. Ah, j'ai tout cassé, mais je peux cliquer partout. Oui! Je casse tout. Alors, qu'est-ce qui manque? Un napperon. Hop là. Et voilà! Je finis de tout casser. Alors, avec la matraque, qu'est-ce que je peux casser? Qu'est-ce que je peux casser? Ah non, là, il faut que j'aille voir. Arrête de planter! T'es chiant! Bah, oui, mais dans 2 minutes, j'ai un truc à casser avec ma matraque, apparemment. On m'en sera peut-être pour plus tard. Alors, j'imagine que c'est un jeu de paire. Oui. Non, c'était. Non, bah non. C'était. Bah si, c'était peut-être celui-là. Non, bah non, c'était pas celui-là. C'était ça et ça. Ah, bah il était juste là, je l'avais pas vu.
Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quelque chose avec le trône. Je peux le casser? Non. Je peux le réparer. Et il me manque une couronne. Savoir où je suis censé regarder. Là. La matraque! Non. Les jumelles. Maintenant, je peux casser les trucs! Vu la taille des bouteilles de vin, t'aurais pas confiance pour en voler. Non, ça va, je crois qu'elle va pas voler le vin. Je crois qu'elle va voler des autres trucs. Elle cambriole des musées pour enrichir son propre musée. Hein. Ouais. Bon, elle l'a fait une fois. D'habitude, elle pille les sites. Pas historique, mais les sites en tout genre. Alors, où est-ce que je la pose, la couronne? Dans le trou! Oh, tada! J'ai cassé le scanner. En attendant que la rose soit enfin lootable. La rose là! Magnifique! Je retourne au musée pour tenter de découvrir où cette rose va me mener. Voilà, elle a juste ramené la statue de Jeanne d'Arc, le dieu soleil, la couronne et un bureau. Voilà. Elle a ramené un bureau. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc jusqu'à présent, voilà notre... Voilà notre musée. Allez, suivant. Non, mais en vrai, c'est pas une connasse, je l'aime bien, alors on parle bien d'elle. Regarde ceci, le symbole. Ce symbole représente Bouddha, et il est accompagné d'autres symboles religieux tibétains. Dalai Lama signifie littéralement « océan de sagesse ». Je crois savoir où se cache la rose de la sagesse. Om Mani Padme Hum. Mais je le prononce certainement très mal. Je vous ai réservé un vol pour Lhasa. Je vous contacterai à votre arrivée. On se demande où va être la dernière destination. Sam, j'ai passé un accord avec une secte locale. Ah, sympa! Ses membres ont accepté de nous aider à retrouver la rose. Ils possèdent des cartes et d'anciens dessins du palais. Il existe des passages menant à des lieux de prière sacrés qu'une poignée d'occidentaux seulement a visités. Si je parviens à trouver l'entrée du col de la montagne antique, cela raccourcira considérablement le voyage. Il me faut un dessin. Voilà. Si je parviens à repérer les différences entre le palais et cette ancienne représentation, je trouverai certainement un indice quant à l'emplacement du col de la montagne antique. Genre ça. Genre ça, c'est pas... Oui, merci, hein, voilà, j'avais cliqué et il me dit non. Je suis haut. Ça me perturbe quand le curseur il bouge dans tous les sens. Tu veux enlever les nuages aussi? Encore deux. Alors. Ça, ça compte? Non. De juste être une tâche. Alors, je regarde de l'autre côté. Ça compte, ça? Non. Ça? Non. Et ça, ça compte, là? Allez, le jeu! Ah mais oui, carrément, il y a un bâtiment en plus, j'ai rien vu. Allez, le jeu, je m'en fous. Oh, la fenêtre, je vous aurais jamais vu. Super, j'ai tout trouvé. Comment réussir à ouvrir cette porte gelée? Oui, donc elle s'est épée, hein. Apparemment, elle est très résistante et, en a découragé plus d'un. Elle s'est téléportée, genre pouf!
Alors, il me faut un pichet en fer. Petit pichet. Petit pichet. Pichet, pichet, pichet. Ensuite, il me faut un briquet, un éclair, une pioche et une poêle. Elle est où la pioche? Pioche! Es-tu une pioche? Non. Es-tu une pioche? Es-tu une pioche? Es-tu une pioche? Je vais encore casser le scanner. J'ai trouvé un truc. Une lampe à huile. Il me faut encore une pioche. Elle est dans quel sens la pioche? Elle est comme ça. Là. Il me faut un café chaud. Allez. Et on balance l'eau chaude. Même si c'est du café, t'as ce gâchis de café. Ouais! Ah ben oui, mais elle n'a pas de dracofeu à porter. Mais elle a du café chaud. Je me demande ce qui se cache dans ce bloc de glace. Mais on verra bien. Ouais, je sais plus où ça atterrit à la fin. Ce sera le suspense. Alors, un pic à glace. Une théière. Un balai et une théière. Tu veux un chapeau? Elle ressemble à quoi ta théière? Ah. Là, du coup. Une coiffe moine, une gourde. Et des cymbales. Non. Là. Alors, on va prendre le pic à glace. Oh. Du balai! Voilà. Ah. Bah oui, mais j'essaie de la prendre, la gourde. Et hop, ça va instantanément geler. Bim. Wouhou. Allez, ciao. Cette porte n'a ni serrure ni clé, à moins qu'il ne s'agisse d'une clé musicale. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Un tambour, un carillon, un éléphant et une perle. Des perles plutôt. Et l'éléphant, il est là. Il me faut une baguette. Eh bien, ça compte ça? Non. Ça oui. C'était pas une baguette de pain? Placez les instruments sur l'autel et jouez le code. Ah d'accord, quand tu veux dire sur l'autel, tu veux dire dans le trou. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ceci est un cube élémentaire. Il faut trouver des médaillons correspondants. Je crois qu'il faut allumer le feu dans cette urne. Incroyable. Alors, il me faut une outre. Du bois. Et...
La médaille de feu. Donc là, j'imagine qu'on reviendra plus tard, à mon avis. Je peux peut-être mettre ça. Ouais. Ah, j'ai cliqué en dehors. On reviendra plus tard. Alors, ici. Oui, ça va, le scanner. Il me faut encore du bois. Un ski, pourquoi pas. Tu veux un coquillage? Perle, pieuvre. Mais oui, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de cliquer dessus. Oh! Dents de requin et bague argent. La dent de requin, elle est où? Là. Je savais bien qu'elle serait dissimulée dans l'eau. Dans le mur. Hop. Encore. Hop, on reviendra. Salut Captain Gobelin. Et oui, bonne année à toi aussi. Ah, mais la chaise arrête de bouger, c'est chiant. Il me faut du bois. Une bouteille. Et bracelet et boule. Hop là. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Médaille R, oui. Je ne peux rien faire là? Non. Eh ben sortons. Alors, j'imagine que je peux mettre ça là. Voilà. Oui. Ici, il me faut un couteau, du silex, bois mandala, elle a pas assez de place, est-ce que je peux poser quelque chose? Je peux déjà les poser, genre... Ça doit être une pièce du milieu, ça. C'est un peu chiant à tourner. Voilà, heureusement que ça s'ajuste plus ou moins automatiquement des fois. Ah bah non, ça doit être dans le coin ça, je suis bête. Voilà, je peux poser ça là directement, hop. Et il me manque encore juste un, il doit être ailleurs. Qu'est-ce qui me manque ici, récipient et mandala? Ah bah non, il me manque encore un. Là. Et un récipient, hop. Ah mais... Laisse-moi prendre mes outils. Et voilà la médaille. Ensuite... Hop là. Encore plus d'eau. Voilà. Ici, on va mettre plus de bois. Hop là.
Et on a le médaillon. Et l'urne de feu, alors, elle se ramasse comment? Là, comme ça, tout simplement. Ah! Je croyais qu'il fallait que je trouve un autre petit récipient. Et ici, hop! Oui? Oui, ça... D'accord, bon, très bien. Bah, on va attendre. D'accord. Parce qu'il me fallait ça aussi. Voilà. Tada. Là, par contre, elle pouvait pas juste soulever le machin. Mais non. Faut faire l'énigme. On triche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut que je peigne les moulins. Ouais! Je dois essayer de décrypter le code. Très bien. Eh ben, je sais pas, décrypte. Ah, quand le moulin clignote, la couleur est mal placée, d'accord. Ah ah. Non. Par contre, c'est chiant si ça bouge à chaque fois comme ça. Pas aller plus vite. Plus vite. Donc le rouge il est bon et le jaune est mal placé. Est-ce que si je fais ça c'est bon? Oui. Ah ah. Pas la rose. Eh ben, on progresse. Je pense qu'on doit pas être très loin d'avoir fini le jeu, à mon avis. À moins qu'il se passe autre chose.